abena biso cholé ba comme ça que mon seigneur présidence de la république ba PCJ mais un pasteur ce qui va ordonner donc est-ce que ba occuper ou dans le gouvernement. Ce sont ces gens-là qui ont pris nos autorités en otage et dirigés par les Occidentaux. Dans ce mot, il y a des gens qui sont hypocrites, croyant que les gens qui sont portés par les hypocrisie, ils sont balatés. Or, au fond, les gens qui sont rongés la nation et la nation ne sont pas. Ceux qui ont dit que les gens sont là, ça serait très grave. Église ensemble. Ezali te oaza munene ou baza muke. Non, nous sommes tous des frères. Muta leki muta na munene na sante. La plupart de ces églises là dans mon ana, eza ba salle d'attente sous mes bâtons en fer. Tengeli ko épingler place on les années. L'homme là qui a dit à monsieur Sakare Bababas que nous respectons beaucoup, a kokai ko yeb ça était que à ça la biloko parce que les ceux qui moni muta zane wana, c'est quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu. Donc le pasteur. Oui. Aïe, à continuer à avancer, à la bande, comme ça, la macambo, mon copain, à troubler, et à mon nom, la Bible, la Bible, 100 jours, c'est pour toi, mais un jour, et Dieu va te frapper. Il y a que même M. Sakare Bababas, il ne pouvait pas inclure Batounios, il doit se repentir. Mais c'est un pasteur qui l'a dit qu'il y a sa l'église. Non, cet homme-là, il n'est pas un pasteur. Le commerce. Oh, mon lieu, mon et c'est très dangereux pour toi. Mais déjà, mon ami, bon pasteur, la vision. Oui, Bazali. On colla la kisao. Bazali. Neti. Bazali. Na la vision que colla biki ba vrai bangouyou po ba ki ba badalo ba ki ba o yandundu ba walo moni ba mutombo ba faux. O moni ba sikatenda ba faux. Sikoyo n'habite ba vrai o moni na vision de neti banane. Bazali belé. O moni des fois Dieu nous rassemble en esprit. Tant qu'on a une décision même pour le Congo, à rassembler Binobo. Et quelques-uns vont reconnaître que nous avons une réunion, on a convoqué au monde. Mais en tant que l'évangéliste d'Akumuda, c'est un homme de Dieu. Dieu met à Paris sous forme à Joseph Kabila. Il y a un bureau, en 2014. Il y a un tel ordinateur, on a balé l'ordinateur côté de la salle. Dans mon écran ordinateur, maman m'a dit que je suis un homme. Alors, il commence à me dire, au moins, il y a des gens qui sont venus à mon banque. Alors, il y a des gens qui ont financé le groupe armé dans l'Est. Alors, ils ont financé, ils ont pillé la richesse. Et vous, l'Église, vous êtes incapable de faire ce travail-là. Aïe, rentre dans ton pays. Tu n'es qu'à annoncer l'Église. Alerte les hommes de Dieu. Que le travail que vous devez faire, c'est ça. Et non, il y a qu'à déranger Bandimi. Nous sommes allés s'occuper d'un pays, mobiliser la cause, la richesse. Bon, partager équitablement et compte en évangile. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Bon week-end chez vous. Bon début de semaine également. Donc, espérons que Dieu va nous protéger. On est là devant vous, Jérémy Louemba, les renards du désert. Un grand merci à tous nos abonnés, mais également à tous nos partenaires. Là, je m'en vais dire big salutation à celui qu'on appelle le vieux Batombo Bobo et maman Lami Bekantoy à Londres, les boss et Chicha Chimbu depuis Turquie. Maman Sema Mayasi, femme légitime, agence Mayasi Forza Italia. Il y a Louis Zombala de Madrid, il y a Guillaume Atondolo, ma portable, et pourquoi pas. À celui qu'on appelle l'évêque Gérard Saddam de Manchester. On est là avec l'homme de Dieu, le prophète Guilende, qui revient avec beaucoup d'énergie. Nous allons tenter de parler sur les choses de l'esprit, mais également sur l'actualité. Prophète Guilende, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Bonjour, Nabande Konyos, Mazola Nabiso, que le Seigneur vous bénisse. Merci, l'homme de Dieu. On peut débuter par la prière, papa. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci. La grâce au pessimisme à s'approcher du Bosona à moment haut. Émission haut te recommander entre tes bonnes mains, Seigneur. Toi qui es Alpha et Omega, le commencement et la fin de toutes choses. Toi qui connais la fin d'une personne avant que la personne puisse être ici sur terre. Loku Mukembo et son apanayo. Nous implorons la grâce par le Saint-Esprit à l'œuvre de l'émission pour l'édification des peuples de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen. Amen. Voilà, merci l'homme de Dieu. D'abord, bonne santé, bonne évolution d'activité. Vraiment santé, tout le temps, il y a ma prière, tout le temps, il y a ma retraite.
santé, ningisima mukema ba grippe, mais ça va parce que Dieu nous a recommandé de venir parler. Et on touye tout loba. Pour le ministère, ça va aussi, mais tout ça là, déménagement, tout ça changé côté, parce que tout ça m'a belé na biso na tchango. Parce que quand on a tout ça, l'école des sacrificateurs. École des sacrificateurs, comment? Dans la nouvelle alliance, tout le monde est sacrificateur. Même Yone Rosa, papa Jérémy, tu es sacrificateur. Ah bon? Parce que tu sers Dieu dans le journalisme. Très bien. Alors, nous avons besoin de ça, de former tout. Société, nous avons largué dans le pays. Pour la côte, dans le gouvernement, dans l'industrie, partout. Mais si vous avez tous les gens qui sont en pas avec des détournements, pas avec ma camarade, des débauches et tout, vous avez sa salité. Donc, vous avez formé épouse de Christ pour servir les gens qui sont en mort et puis pour les gens qui sont. Donc, il y a une mission à Pessibiso. Et à Pessibiso, sous ma recommandation, je suis tout le temps Congo Mobimba pour évangéliser la mission prophétique pour la République démocratique du Congo. Parce que le temps est accompli. Cette génération ecclésiastique ne passera pas. Prophétie au Simon Kimbanga Lobaki et qu'on s'accomplit. La génération ecclésiastique au Tozali. Donc, Toza côté en a, Toza salé, Toza c'est un absolu moyen. Nous sommes un corps de Christ. Donc, Bisso toi, prophète, nous parlons, nous prêchons la parole. Et Bino Boza, corps, Boza, le Boko, le Kolo, Toza Sangana, Ponanini, Toza salé, le Kwana et Kendeli. Ça demande beaucoup de moyens. Bah, moyen de ces limités. Y'a un Toza appelé, Bino, pour soutenir Bisso. Comme vous soutenez un peu votre source. Maintenant, vous formez votre jeune frère Kaka, vous comme ça, vous êtes pasteur. Non, pas tout comme ça, vous êtes pasteur. Vous formez toutes les couches à la société. Différents domaines. Différents domaines. Papa, maman, papa, maman, jeune, sœur ou lec. Parce que dans la nouvelle alliance, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ, il nous a fait des royaumes et des sacrificateurs. Donc dans la nouvelle alliance, même un policier, c'est un sacrificateur. Il est en train de servir Dieu dans la police, même aux roulages. Aux gens, on a servi Nzambe. Aux gens, on a mis toute la direction. Mis tout quand on a battu, on a battu, on a battu, on a battu, on a battu Nzambe. Alors, tu dois servir Dieu avec honnêteté. Même si tu es au directeur de cabinet ou chef de l'État, tu es là, tu as le don de gouverner. Aux gens, on a gouverné et non pour détourner le monde qui est à 100 jours. Les gens ont détourné l'argent. Mais tout le monde qui a Dieu nous a montré ça, ils ont volé l'argent. Alors, il y a des gens qui ont sauté parce qu'ils ont quitté le Congo et Sika. Ils ont déjà pris. Alors, Dieu nous a envoyé pour forger, former les gens, pour lancer la société pour accomplir la vision de Zambé. Voilà, merci mesdames et messieurs. C'est nous qui une introduction. Alors, entre nous, l'homme de Dieu, il y a un messager, vous allez prophète. Tout ça, moi, je suis un prophète. Oui, oui. Prière, concentration. Est-ce qu'il y a un lobby? Oui, mais tu as aussi un message pour la nation, tu as aussi un message pour l'église corps de Christ. Mais peut-être que tu as une nation. Bon, pour la nation, Zamazo l'accepte. Zamazo l'accepte à l'objet. Et ça, il y a un dialogue où il y a un salaman. Il y a une politique qui est en train de se faire. Et un salaman. Et un dialogue où Zamazo l'accepte que le président de la République y a un opposant Martin Fayoul. Discuter avec ma divergence et se mettre d'accord pour te ça là et Dieu nous a dit ceci, ce n'est pas mauvais pour la cohésion nationale, mais Dieu est en train d'alerter nous avec beaucoup de respect pour le chef de l'État, président de la République, beaucoup de respect pour l'opposant Martin Fayoul. Nous avons se mettre d'accord pour travailler. Mais ceux qui vont appliquer la vision de Nzambe, parce que Nzambe a l'obi na biso tous en face moussous. Ceux qui vont appliquer la vision de Nzambe, il va vous chasser tous. À vous chasser bino. Parce qu'il passe dans une vitesse supérieure. Les Congolais ne peuvent pas continuer à souffrir comme ça. Ou bien, les Congolais locaux vont marcher, les Congolais locaux vont tout le monde vont utiliser un groupe de gens qui s'accaparer dans le pays. Et ou bien, ceux qui continuent à pouvoir, ou bien, les pauvres bien gagner, tout ça, les peuples continuent à souffrir. Dieu nous a dit ceci. Ce qui est ça, la commune politique pour la cohésion nationale, ce n'est pas mauvais. Mais, appliquez la vision de Dieu. Parce que le Congo n'est pas un peuple, n'est pas un pays comme tous les pays. Le Congo, c'est le deuxième fils né après Israël. Alors, pour diriger le Congo, il faut que tu diriges le Congo avec ta vision. Nous avons toujours lancé appel, même le président de la République. À quoi diriger le Congo, la vision a été. Même Martin Fayoul, notre vieux. À quoi diriger le Congo, on a plein de sorties à Christ.
le véritable plan de sortie à crise, c'est appliquer la vision de Dieu pour la République démocratique du Congo. Nous avons lancé même appel dans les combattants, dans les apôtres, dans les apôtres, dans les apôtres, même en Afrique, que la vision de Dieu, c'est à Pessi. Beaucoup ont été physiquement. Beaucoup ont attaqué le pays physiquement, mais dans la guerre, dans le trouble, dans le soulèvement. Dieu est contre cela. Nous sommes en train de marche politique. Aligner le Congo-Côté, aligner des ordres dans le pays. Et Dieu nous a dit ceci, dans les politiciens, appliquez la vision de Dieu. Ceux qui vont appliquer, Dieu va vous chasser tous et à quoi appliquer la vision de Dieu, ça va pour servir. Alors, pour l'Église. Bon, là, c'est un peu la politique. Et nous avons vu encore, oh, il y a toujours souhaité que quelque chose. Bah, tu as FCC, nous, surtout, bah, ça les bloque, bah, zongi na kanabango. Et bah, destituer mon conseil d'assemblée nationale, alors payer zongi sous ce ciment. Bah, vous allez même content. Tant que vous allez même content, bah, zongi na kanabango, bah, nous, surtout, bah, l'on libre président d'assemblée nationale et pays et qu'on continue. N'a pas passé les couleurs passe. Donc, bah, pandi union sacrée. Bah, pandi union sacrée. Et Dieu nous a montré cet avion-là, l'avion des unions sacrées, et ils ont dit qu'ils sont dans l'aéroport. Ils ont pompé, ils ont pompé, mais c'est trop tard, l'avion s'est ziki. Il y a un zamba, crise de côte Namboka. Donc les gens, ils sont très souples. Il y a chaque fois que tu as lancé appel, dans l'autorité, même dans le service de la sécurité, avec beaucoup de respect et considération. Il y a une information pour nous, même dans le Mokozamboka. Il y a un Zamboka, ceux qui appliquent la vision en été, même à sa réconciliation avec qui que ce soit, le Congo ne va pas décoller. Il faut appliquer la vision Nzambe. Vision Nzambe est le bini. Vision Nzambe est Zali, Esaïe 18. Nzambe est le bini. Congo fait quoi dans la mission? Congo est pour nous préparer épouse de Christ. Et les autorités, le président de la République, il faut convoquer réunion Moko. Réunion dans l'ambassade de dialogue, c'est une bonne chose. Mais ceux qui ont la société. Même les hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Pour moi, c'est une vision et vous avez toujours échec. Il faut que le Congo, une vision dans le Congo, la richesse aux gens Moka, c'est pour servir l'évangile. Et ça, pour nous tenir un messager en Afrique, dans le monde entier, que nous sommes à Sangomalam. Pour moi, le Congo, il est automatique, il va changer automatiquement. Parce que Dieu nous a montré ce Congo-là, papa chéri. Il nous a montré ça. Voilà. Donc, exactement ce qui était, c'est que nous disons. Et vous allez vivre ça. Cette génération ne passera pas. Cette vision va s'accomplir. Vouloir ou pas. Voilà, merci beaucoup. Mais ma pasteur, basé belé namboka yo lobby. D'autres viendront et peut-être te contredire. Ou bien, un message, je peux ça, je peux ça, président. Je ne sais pas. Et bon, toutefois, au lobby, on s'exprimer. Bato va capter, va enregistrer. C'est le plus important. Moi, je peux pasteur dans beaucoup Congo, papa. Bien que vous êtes prophète au monde, quand vous avez un peu de temps, et qu'on sort, c'est bien. Alors, au monde, il y a un scandale dans tous les cas. Récemment, tout le monde a parlé de 5 amis et Facebook. Donc, tout le monde, aucun pasteur a eu un micro, a eu un peuple, en disant, mais pardon. Qu'est-ce qui vous manque, vous, les serviteurs de Dieu? Humilité, amour ou bien comment? Pour le monde, il y a un retour en église. Bien qu'il y ait un bas, mais quand même, il est de retour à Zolela. On trouvait que l'année il n'y a pas si choc que ça lit ou bien comment. Donc, il y a un moment, les fruits de l'esprit. La repentance, c'est parmi les fruits de l'esprit. Si on a un moment, même à Salim Abbé, à se repentir, à se la mascarade, il n'est pas de Dieu. Oh, retour, oui, je vous dis ça. Retourne à l'église, à l'élite, c'est bon. Ce qu'à se repentir, c'est une très bonne chose. A tiki na yema kama kote ya, a kena makamu na yema. Donc, Atika Makamba côté. Même. Le frère Mike. Parce que je lui ai vu dans une vision. On a dit que nous avons quatre églises. Et ça a deux colonnes. Nous avons dit que nous avons une colonne. 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 Et ça a plastique. Nous avons une colonne. Nous avons une colonne. Nous avons une colonne. Nous avons une plastique. Nous avons une plastique. Nous avons une colonne. Nous avons une vide. Donc, cela veut dire quoi? Colonne, on va faire une colonne avec bétrier, exacté. Béton, on peut colonne, on exacté. Mais si ça, mes amis, on a le côté, voilà. Abi, le colonne, le côté, colonne, exacté. Colonne, l'apôtre Paul dit, colonne, c'est la vérité. Comme colonne, on a le côté, le côté, il n'y a rien là-bas. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Donc la vérité, c'est Dieu lui-même. Mais on a colonne, on a Dieu n'est pas là-bas.
il doit laisser de prêcher. Azong la mamarote, atika ko troubler l'évangile en Zambie. Azong la musique. Azong la musique, atika ko troubler peuple de Dieu. Parce que yo moni vérité n'église amay kalamba izate. Il y a pas la vérité. Moni colonne vide. Colonne vide. Donc bambale kaka copal moko na colonne. Quand on a ken na longoli colonne wana bona mona colonne et le comment monter na kata. Oh. Donc copal les autres trompés longo vigilance, colonne izate et Dieu m'a dit il y a pas la vérité, la vérité c'est Dieu. Mais le nom de son église Ezali dans sa présence ministrie. Dans sa présence, basa dans l'okuta. Mais dans sa présence, les amis, non, bango moko bazo stop, ko tiens, c'est long bango. Ce n'est pas Dieu n'est pas là-bas, de konangai. Mais oui, Dieu, ceux qui nous amènent fongo le mission dans ma camisole les canabis glissa, osana mawa. Et surtout que nous amènent solo ma responsabilité, et ça na église, ça nous énerve. Oui, bien en 2014, na épinglé vision moko na monaki, en son époque Monsieur Joseph Kabila. Là, je suis encore en Angola. Et Dieu m'est apparu sous forme à Joseph Kabila. Il a été en bureau, en 2014. Il a été en ordinateur, on a balé l'ordinateur côté de la salle. Dans mon écran ordinateur, maman m'a dit la bimouana. Alors, il commence à me dire, au moins, il m'a dit, oui, il a dit, oui, il a dit, alors, il a financé un groupe armé dans l'Est. Alors, baso financer bango, baso piller richesse na bino. Et vous, l'église, vous êtes incapable de faire ce travail-là. Rentre dans ton pays. Tenez quoi annoncer l'église. Alerte les hommes de Dieu. Que le travail que vous devez faire, c'est ça. Et non, il n'y a qu'à déranger Bandimi. Nous sommes allés s'occuper dans le pays, mobiliser la cause, la richesse, partager équitablement et écouter un évangile. Ce n'est pas pour Yabatoumo Kobo. Nous sommes allés à l'église. Et quand les aventuriers, ils sont allés à l'église, ils sont allés à l'église, ils sont allés à l'église, ils sont allés à l'église. Et le pays continue toujours à sombrer dans les chaos. Mais Yolandi, je dirais, déclaration, il y a honorable Zacharie Baba Souté. Alors, une fois à Kinshasa, il y a un pasteur qui l'a dit que Zacharie Lokolo a un impact, un aura dans le Congo, sans l'église. Tu auras facilement les femmes et l'argent. Un pasteur, donc, c'est que dans l'église à Congo, on a plus. Influenceur tout simplement, bon pasteur, des commerçants. Comme l'a dit Zacharie, et puis dans mon commentaire à JF Ifongi, on peut quand même donner raison à JF Ifongi. Non. Et là, on a dit qu'il place dans les années. L'homme là qui a dit à M. Zacharie Bababas, que nous respectons beaucoup, à quoi il croyait que ça a été que. À ça la biloka. Parce que ce qui a dit que c'est quelqu'un qui n'est pas appelé par Dieu. Donc, un pasteur. Oui! Aïe, à continuer à avancer, à la bannir, à la mankamoumoko, pour la troubler, et à mon nom, la Bible a dit 100 jours c'est pour toi, mais un jour, et Dieu va te frapper. Nous avons dit Monique, même M. Zacharie Bababas, il ne pouvait pas conclure Batounios, il doit se repentir. Mais c'est un pasteur qui l'a dit qu'il y a ça à l'église. Non, cet homme-là, il n'est pas un pasteur. Le commerçant, le pasteur commerçant. La Monique, tout le temps, on a versé, pour toi, soit idée, hein, mm. Tout le temps, on a 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, toquez le premier verset. La Bible nous dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, il m'a dit, éprouvez les esprits. Au moment où nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons Saint-Esprit plastique. Oui, doute. Doute. Nous avons dit, donc, les mêmes personnes qui ont rempli l'église, c'est les mêmes personnes qui ont écouté la barre. Donc, ils ont pris sa place dans le Saint-Esprit. Et ils ont dit, ils ont dit, et quand ils ont dit, la Bible a dit que rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Donc, si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas voir le Seigneur. Au moment où on a oracle en Zambété, et voir le Seigneur, ça commence ici sur terre. Comment toi, tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu ne marches pas dans la sanctification. Tu es facile à manipuler. Tu es facile à manipuler. Il y a aussi un abat en Zambé. Bah, pasteur manipulateur, bah, c'est voilà. Bah, ça est belé, il y a ébélé. Il y a un monsieur Zacharie Bababa, il faut éprouver les esprits à quoi conclure. Mais on a une vision, le pasteur a les métiers, tout ça. Au moins, le pasteur a scène. Non, on a quelques pasteurs, la vision. Le message, c'est que Lukabiso. Lukabiso, tu as un talent directement. La fois passée, on a un pasteur
pasteur Walo, le pasteur Dayo, aujourd'hui, cette semaine, tu es en train de prier. Dieu m'a donné le message pour l'apôtre Mutombo. Ah, ok. Ok. Donc, bah, on a mis ça tout. Tu as un message là-bas. Tu as un ok. Contactez-nous, sinon, quand on viendra ici, tu as un peu Mutombo, c'est grand. Contactez Ondeli. Mais c'est ça le problème. Il y a ceux qui ont un monde qui est un grand, et pas un Zambé, un grand et un petit à Zarate. Un grand chez Dieu, c'est celui qui marche dans la sanctification et que le Saint-Esprit rend témoignage. Si le Saint-Esprit tente de rendre un mauvais témoignage pour toi, tu n'es pas grand. Mais la prophétie a rendu mes airs, quand Kenza, Isaïe, Bamoukouna, Bata niveau naïe, papa. Il y a une vision pour la moutou. Mais la mission, moni, Batouan, aux autres temps, à Bakoumouana. Ceux qui te bandit que l'on m'a comme la bango, ça serait très grave. Au second, église ensemble. Non, nous sommes tous des frères. La plupart de ces églises, ils ont une salle d'attente sur mes bâtons à faire. Je vous dis, ils ont une salle d'attente sur mes bâtons à faire. Mais ils sont pleins dans l'église. Bon, papa, moi, tu as confusion, papa. Non, c'est que. Ils sont pleins, ils sont semés. Ils ont été priés. Ils ont été priés. Ils ont été priés. La plupart, ce sont des gens. C'est pas fréquent, même milliers, même biloko. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ou a mobilisé le Saint-Esprit, ce qui a commis quelque part, a commis la babisse, automatiquement, Dieu va le révéler. Alors, ça la surpris. Il y a un moment où cette église prophétique, et cette église, il anticipe comme ça. Et ça subit ça comme événement. Une église prophétique, c'est une église qui est où il y a un vivre déjà au-delà. Oh, ma cambozo, il y a un monde déjà. Donc, à cause de la surprise, mais l'église n'a pas besoin de ma cambozo, il y a un monde à te. Même quand on a eu, à cause de la surprise, mais alors, il y a un monde à sa surprise. Or, si tu as le Saint-Esprit, tu es une église prophétique, au cause de la surprise, il y a un événement. Au cause de toujours anticiper, les cambozo, il y a un monde déjà. Et ça, il y a un monde qui est en église, mais l'église ensemble, il y a un monde à ma été. C'est ça le problème. À cause de la prophétie de l'église Moussousou. Là, ça va inviter. Voilà. Ça, donc, ça montre que l'église a étouffé. Ça montre que l'église n'a pas le Saint-Esprit. C'est ça. Ça montre que l'église n'a pas le Saint-Esprit. Dans Romains 8, chapitre 8, le verset 14, la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui tirent le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage qu'il est un fils de Dieu. Donc quand l'Esprit de Dieu ne rend pas témoignage, il y a Bissiko Zali, même il y a Vinayo. Et c'est très dangereux pour toi. Mais déjà, mon ami, bon pasteur en vision. Oui, Bazali. On colla la Kisao. Bazali. Neti. Bazali. Des fois, Dieu nous rassemble en esprit. Tant que nous avons une décision même pour le Congo, à nous rassembler binobo. Et quelques-uns vont reconnaître dans la réunion, on va convoquer au monde. Mais en tant que l'évangéliste d'Akumuda, c'est un homme de Dieu. Ah. Un homme de Dieu puissant. Il a marché dans la sanctification. Et il reçoit les oracles de Dieu. Oui, Nathan est lié. Voilà. C'est un homme de Dieu. Mais aussi qui va te bêler, aussi qui va Marcelo, aussi qui va te baver Sony Bazawa, aussi qui. Non, le vieux Sonic Afuta, il a marché avec Dieu. C'est un homme de Dieu. Le général. Malgré l'erreur, mais il était ensemble avec Dieu. Mais à un certain moment, il doit encore laisser la nouvelle génération. Parce que Aza déjà a perdu ta vitesse avec beaucoup d'erreurs, mais Dieu ne l'a pas rejeté. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Voilà. Voilà, merci beaucoup, prophète Guilendi. Pour la révélation, matière, je crois que nous avons l'obligation d'éclairer l'opinion, surtout les chrétiens qui sont témés. Les chrétiens qui sont polémiques, les chrétiens qui sont ignorants. Je crois que le débat, ils ont coupé cet éclairage et lumière, ça nous fait du bien. Voilà, merci à maman Clotilde Bondo, le plafond des Rennes, à Sadie, ma force est tranquille, il y a Guillaume Atondolo, ma portable. Le célèbre Dienzundu na Washington. Je n'oublierai jamais le conseiller Papa Philippe Kabouikou na Fribourg. Et Doukouré Immortel, le géant de Berne. Le docteur Simon Mundemba et puis depuis Nazambie. Donc je crois que Bandeko Baza est belé belé. Maman Fifi Longo na Londres. Maman Espérance Assoutou, la mère des archanges.
na Belgique, maman Sarah Lina Wembi, aux États-Unis, maman Claudine Louye na Kinshasa, Boza Ebele, merci pour votre particulière attention. Au lobby pour na arriver à Vandamme na Congo, bah reconnaître si facilement ambassadeur culturel et des sports, a eu un passeport diplomatique et créé polémique. Est-ce que dans ma un passeport diplomatique au bazar ou associé Nzambe nakati? Bon, bah on sait la chose à Bango, mais jusque là aussi il y a aucun pasteur qui va décerner un groupe. Néo lobby si magamba Nzambe sont concernés dans un passeport diplomatique, nana on automatiquement bloqué. Le pays n'est pas conduit par la vision de Dieu. Donc, nous sommes tous ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a un qui battre la vision en Zambé. Voilà. Ah. Il faut battre la vision en Zambé. Donc, sans vision en Zambé, vous allez toujours taper à côté. Avant de répondre à la question de la Vandamme, en 2018, s'il vous plaît, quand le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, Dieu m'a montré dans une vision, dans le désert. Zéla dans le désert, Zéla dans le désert et Kauka. Namoni le président sortant Joseph Kabila a eu collé Kananzela Moko Aleki et le président Félix Tshisekedi a suivre le même chemin Zela on a quatre déserts à Kéi quand on Kéi a commis place Moko Fandi a commis à perdre contrôle et Dieu m'a dit au moment où n'enga commis n'enga cela veut dire quoi à Koko Kako réussir pays t'es sans la vision de Dieu donc sans vision en Zambie à Kokate en 2018 tout le monde qui a déjà, dans l'équipe de la chaîne locale, on a dit que s'attendre de l'autre côté. Et ce n'est pas aussi sa faute. Faute, c'est à l'église. Parce que l'église, il faut anticiper l'événement. Il faut exhiber. Or, l'église, si on est en avance, les conséquences sont au côté. Il accepte ce que donc, tout ce qui se font, le passeport diplomatique, ça n'a rien à voir avec les dirigeants qui ont une vision embêté. Mais ils ont embêté parce que la Bible dit que si on a un peu de mal, on a un peu de mal. Mais si on a un peu de mal, on a un peu de mal. Ce qui est un peu de mal pour le Congo, c'est pour le bonheur des Congolais, mais pas pour vendre notre pays. Bas on a sous-payé, on a un peu de mal et les Congolais vont continuer à souffrir. Donc, vendre à l'étranger, on a un peu de mal pour y aller des Congolais, mais pas. Opinion bah vérifier mais notamment la Belgique congolais diaspora bah vérifier notamment les congolais tout ça mais jusque là bah pionnier église Vinkelani Barouti et les autres bah ça récompensé tient à bah titre wana honorifique wana mais bah qu'on s'est récompensé comment donc bah qu'est-ce que passeport wana diplomatique bah passer bah nous soiter mais bah qu'on soit on n'est ni ceux qui bah ça l'incapacité à relever pays bah qu'on soit on t'es bah pasteur bah qu'on soit on n'est ni bah échoué l'église est faible. L'église est affaiblie, idolatrie. Je ne sais pas. Makiona, ma milo kwa na nyoso, tu es affaiblie. Sacerdoce et rataraté, jamais errata. Zamba pambola bino, et tu peux suivre nos messages. Quand yon tozo landa, Dieu a permis, tous à la Anna France, na Katia Saint-Denis. Ma kambon zambazo sala na Saint-Denis, place tous à la siège, et ma kambo belle, peut-être tous à qui informé. Bible lobby, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na zone di manzambe wana wa salaka. Et zambana bi yaka ana Saint-Denis. Et ma kambebele zo sa mazwana l'adresse. Peut-être ou eba kite zo adresse. 9 rue de la poterie. Na kata Saint-Denis. C'est facile. Zo jo wana gare à Saint-Denis. Gare à Saint-Denis. Au 838. Au kiti na 2e arrêt de Lone Belleville. C'est là où je suis. Mercredi service sacerdotal. Ozan a problème aux otungisa. On y mara loi prophétique. On y mara nzamba bikisaka. Mekana nzambe nangai. Mercredi tozawa. 14h service sacerdotal prophétique et bandi. Dimanche, à partir de 15h, adoration et louange. Et ils appellent service prophétique. Donc partout d'ici, vous allez vous faire un route. Vous êtes invités dans le dimanche. Yara na dimanche, tokou misanzamba ensemble. Wana li kambo joye batena salanin. Viens, je connais ce Dieu-là. Il est capable de changer tout. Au nom de Jésus. Yabo moni ba image à mangengenge, tozana mangengenge, la loi surnaturelle, tozo kouar nan zambe wana. Kozan gate déjà mercredi, oyo, dimanche toza awana, Saint-Denis. Zwa numéro yangwana. 07 66 27 40-02. Numéro Yangwana Kandozo Landa Benga. C'est votre frère, Père Conde Israël. Sacerdoce et rataraté, jamais rata. Tous à présent, na Saint-Denis. Donc, na Saint-Denis, ma kamene les eaux salamans. Zamba Pambola. Nazana message à Moukousse, yon Tozo Landa, vous appelez à Moukousse. Message à Mouzaboué. Nzamba Ebisinga, na Sambela Ponaba, aîné de la famille.
yami balé na sambe la pona ba maladie zo silaté yami satu na sambe la pona ba blocage mari de nuit femme de nuit force nyonso nzamba pe na schéma c'est simple et si là adresse na pension jusqu'au numéro 07 66 27 40 02 quand on saute alors quand c'est azaré azarté mais quand on zambe nanga na lobi sacerdoce sera taraté mais quand zambe nanga apesi nga schéma et quand on zolanda miracle nzambe salamelao bengarara na suka tozali ao mercredi 14h séance royambe bandi dimanche 15h yara na famille na yo zamba pambola yo c'est votre frère père Conde d'Israël jamais rata merci. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous, c'est le groupe Charisme. Le groupe Charisme, nous vous invitons à une grande journée de prières, de miracles et de guérisons qui se tiendra sur 71 rue La Briche à 93-200 Saint-Denis. Venez y nombrer, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ déclare dans sa parole: mon Dieu agit, moi aussi j'agis. Et comme Jésus-Christ est en train d'agir, nous aussi, les groupes Charisme, nous sommes là pour agir par le nom de Jésus. Venez y nombrer une seule date, le 16 avril 2022, à partir des 14h sur la 71 rue de la Briche. Que Dieu vous bénisse. Ma maman, ma papa, Boya et Bélé, Mokoloya, le 16 avril. 2022, Nango. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Les groupes Charisme vous invitent à la date du 16 avril 2022 à Paris sur 71 rue La Briche à Saint-Denis, 93-200 Saint-Denis. Une seule date, le 16 avril 2022 à partir de 14h. C'est sur 71 rue de la Briche à 93-200 Saint-Denis. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Venez y nombrer, contemplez la puissance et la gloire de Dieu, car Dieu sera en œuvre. Nous vous invitons de venir nombrer, expérimenter la puissance de la gloire de Dieu. Une grande journée qui sera animée par les groupes Charisme, les pasteurs Doris, homme de Morija, ainsi que l'apôtre Laurent et toute personne qui compose les groupes Charisme. Venez y nombrer, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous vous invitons au nom de Jésus, expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Une seule date, le 16 avril 2022, à partir de 14h sur 71 rue de la Briche à Saint-Denis. Venez y nombreux, expérimentez la puissance et la gloire de Dieu. Notre Père agit et il est tenté d'agir. Venez recevoir votre miracle au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. C'est là-bas Fulgeron Bazoya pour nous relever des fuites. Bah, l'église est affaiblie, pays est souffrir. Hein? Comment l'église est démontrée puissance ensemble dans Katambok? Or, si à la puissance de Dieu, le lingue Moïse a frappé l'Égypte dans 10 plaies, qu'est-ce que Pharaon a résisté? Pharaon a libéré le peuple. Et Dieu nous a dit il va clôturer l'histoire du monde avec la République démocratique du Congo. Vous allez voir la puissance de Dieu ici, dans notre pays. Puissance à ma caisse en Zambie. Mais là, je suis un peu comme ça. Donc Aza un prophète authentique venant de Dieu. Mais le pays est bloqué, papa. Le pays est bloqué. Pourquoi l'église est affaiblie, Nazim Sao, papa? Okay. Oui,
église est au cas où relever des fuites et tous ont continué à sombrer dans le chaos. Voilà, avant on exhortait Bandeko, avant on passait un message d'espoir dans le Congo, le Bazali terrassé, la maladie, l'esprit de mort, l'envoûtement, le lien et consort. L'homme de Dieu, je vous pose cette question. Le nom mon soukou est côté na bino ma pasteur l'église des réveils au monaki ba scandale et autres mais ba sango ba bangi ba comme a publié mutakalisé ba za la humilié à mbongo le cardinal actuel a ko ici mibeko ba lobi que tout prêtre ou a bota a s'occuper na bana na yi atika soutan bima na couvent ba zo benga na bango pour na koboya bo sotona milieu église na bango. Comment trouvez-vous cette décision? Puisque il dit que basango bango ba basala ka veut à chasteté. Okobimana moi cité okobota te basango ba moko passion na basia ba tout kobota botay en désordre hypocrisie bo ezingi bango. Est-ce que c'est pas la décision là quand même? Bon, décision là est selon doctrine na bango. Voilà. Décision là est ma bête mais le problème est que est-ce que ba kokoka ko to sa yango? C'est ça le vrai problème. Parce que même babota. Ming babota bota. Oui, mais ce temps, on a 6e primaire et 6e primaire, bah il y a la salle de classe pour travailler une école catholique. Bah on n'a aucun séminaire pas comme à Sango, bah ça va comme, bah ça va comme. À l'époque, bah n'inga bah kei, bah misu bah kende ki bah kei pour bah comme à babé. On m'ont dit ah je vois la bah ça 6e primaire. Peut-être bah on a goût moko bon, on a niago ça les bilos qu'on a mais bah ça convaincité même par le Saint-Esprit. Bah kei kota gag. Tant bah comme à certains âges, allez bah comment pratiquer bah bilos qu'on a en coulisses. Hypocrisie. Hypocrisie. Mais on a dit que tout le temps, on a la Bible pour tout comprendre bien. Tout ça, la clair dans la parole de Dieu. Tout le temps, on a 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. Pour tout comprendre. La Bible est en train. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fratricide dans leur propre conscience prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui font par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc c'est hypocrisie hein parce que c'est la hypocrisie de ne pas se marier mais au fond ils acceptent mon royaume Kamabé et cette église là, bah on est basé diriger le monde. Ils ont pris nos autorités en otage. Catholique. Bah, oui. Vatican. Dans ce exemple, moi on a copié ce gaga. Nicolas Otoleka, Abenabiso Cholé, bah comme ça que monseigneur, présidence de la République, bah PC Egypte. Mais un pasteur, ce qui va ordonner. Donc est-ce que bah quoi qui peut dans le gouvernement? Ce sont ces gens-là qui ont pris nos autorités en otage et dirigés par les Occidentaux. Dans ce mot, il y a des gens qui sont hypocrites, croyant que les gens ont porté Marc Nzambe, hypocrisie, ils ont balaté. Or, au fond, les gens ont rongé la nation. Et la nation, ce papa Jérémy, quand Dieu a intervenu dans la vision, ce sont eux. Les gens ont dit que la vision s'appliquait. Soit disant que l'église de Dieu. L'autre fois, M. Joseph Kabila a voulu appliquer cette vision. Mais Bango, nous avons dirigé la série, avec des ordres. Nous avons battu beaucoup de tickets à Bango Boité, Allez, Joseph Kabila a tourné les doigts à l'église, payé sombré dans les corps, marché bandit, ma carton rouge est bandit, bateau koufa. Peuple a souffri. Bango n'est pas à la base. Il y a ma camo. Il y a la leçon, on peut s'en douter. Voilà, papa chéri. Voilà, merci l'homme de Dieu. Merci, je crois que. Nous avons épuisé le temps nécessaire. Message et exhortation, bateau bazar peut-être affaibli, moralement, spirituellement, il y a un pasteur dans l'église, mais il y a un problème, un cas, un lien, un mauvais sort, une maladie, une sorcellerie, ça va déranger ma famille, blocage, bateau bongo, au sur la bongo, le papa. Là, on se plateau tant à verser mon code biblique. Ephésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit, il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Et il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Bien aimé, la ligne que vous avez fait, pensez en Zambé Zanin. Bible, je m'en ai dit que Dieu a donné tout à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a tout déployé en lui. Et le Seigneur a mis à pied, à nyati nyon so, ba autorité, ba principauté, à nyati nyon so tout. Et zana, et loko moko te koko telema, devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, tout genou fléchira devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et loko moko te koko telema, liboso na Yesu Christ, Yesu Masih. Ce que nous disons Yesu Masih, loko la mokozi, pe mobiki sinayo, automatiquement tu as le Saint-Esprit. Comme la Bible dit dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu crois le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Et go sauvé na yo ko bandana sena moyi ao, na makambozo sala, na makambozo na yango. Mais comment toi tu as accepté le Seigneur et tu continues à souffrir? Parce que tu n'as pas bien cru, le Seigneur est là. Il est là pour vous et il nous a envoyé uniquement pour vous, bien-aimés. Osa ba malade so tungisayo, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur Jésus est là. Maman moko na so ebisayo, papa moko na so lobanayo. Osa na ba problème, ba fiancé baza ko kimayo. Osa na ba cauchemar, ba ndoto amabe. Osa na bana baza manipulé spirituellement, ba ndoto amabe. Ba lala ka ba ponya malamuté. Bien-aimé, Dieu est là pour toi et Dieu nous a envoyé pour toi. So ko tangi na Éphésiens 1. On est au troisième verset. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mes bien-aimés. Et comment toi tu continues à souffrir et tandis que Dieu a tout donné? Bien-aimés, cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de Dieu. Et Dieu nous a envoyé ses serviteurs uniquement pour vous. On est là 24 heures sur 24 heures. Pour n'avoir problème, Nabino. Nazo pe espoir na maman moko. Nazo pe espoir na papa moko. Oza na makambo leke liyo. Oza na makambo zo tungisa yo. Mikando zwa kate. Misala ezate. Nazo pe so que le Seigneur Jésus est là pour toi. Oza na poto ba noto lota. Oza toujours nanda ko Nabino. Ba noto zo lota. Oza na village. Oza lota. Oza na Afrique. Bien aimé, nous avons besoin de la force à réclamation. Merci, ma oh Isolanda. Dieu est là pour toi. Beaucoup bien abissos, tous en service, chaque heure, chaque moment, toujours pour Nabino. Dieu nous a envoyé uniquement pour vous. Donc, nous avons besoin d'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Dieu est là pour vous et Dieu est le miséricordieux, le compatissant. Donc, merci beaucoup. Numéro à contact, Nabino Isali, plus 243 85. 18 55 709 plus 243 85 18 55 709. Voilà, merci à tout le monde. Je pense que Boyoki Moussakoli Alobi pour la nation Alobeli les choses spirituelles, réalité Moko et Fouzala sauver. Nous devons sauver les peuples, les âmes. T'as là bas guerre, bas scandale, t'as là bas problème. Les pays n'avancent pas, mais tout le monde a dit hier, l'état congolais a eu décision de l'ongouena. Dans l'organisme Afrique centrale, dans l'Afrique de l'Est, espérons que qu'on apporter un plus et booster l'économie et puis stabilité en Boka. Congo est un pays béni de Dieu riche, mais peuple dans la pauvreté, chômage, tous les liens, tous les mélatés, couramment, ils passent. Espérons que les choses changeront avec l'unité de tous. Merci à tout le monde, merci à tous les bien-aimés. Maman Sema Mayasi, femme légitime, et à Jean-Si Mayasi, force à Italia. Levier Bobo Batombo et Maman Lami Bekantoy à Londres. Décris Sekonde, un bon tonton à Paris. Levier Joël Moulongé qui est à Birmingham. Le célèbre Dien Zundu à Washington. Vous êtes tellement ébélé. Le boss Chicha Chimbu na Turquie. Donc, ma base solide, nous sommes bisous dans le bisous en abissous. Tout remercier Bino. Donc, voilà. Merci à Charogle derrière la caméra. Exaucé mise à la régie finale. Et merci à tous nos vrais. C'était bien moi, les vôtres, les préférés. Jérémy Luemba, le renard du désert, avec l'homme de Dieu, le prophète Guilenzi. Appelez-lui
Son numéro est affiché au bas de vos écrans pour toute communication, message, appel, prophétie, même prière. Même prière, on est disponible. Là, on est disponible. Voilà, merci, bye bye.